Oh, ils l'ont tué, ma Pauline. Oh, ils l'ont tué, ma Pauline. Oh, ils l'ont tué, ma Pauline. Oh, ils l'ont tué, ma Pauline, les bourgeois, les traîtres, les manipulateurs, les malhonnêtes, hein. Ah, elle a enfin crevé, la Jericho. Oh, mais tais-toi donc, Jules, tu sais pas de qui tu parles. Oh, si, j'ai suivi toute l'affaire. Qu'elle a trompé la bourgeoisie, ça, c'est de bonne guerre. Mais qu'elle a laissé sa misère aux miséreux, ça, c'est pas bien. Oh, mais tais-toi donc, je te dis. Pour moi, c'est comme ma mère, va. Elle m'a tout ragaillardi, tout requinquiné là-dedans. Maintenant qu'elle est défuntée, je sais pas ce que je vais devenir. C'est les bourgeois lyonnais que l'ont tué, hein. Et puis ces curés. Pourtant, elle les a aimés, tous, et pas qu'un peu. Oh, elle en a jamais dit du mal. Plus qu'ils lui faisaient du mal, plus qu'elle leur pardonnait. Oh, fallait-il qu'elle soit toute pareille à Jésus? Moi, ça me dépasse, hein. Eh ben moi, si j'étais plein aux as comme elle, j'aurais pas fait tant de simagrées. J'aurais tout gardé pour moi, je n'aurais fait de mal à personne. Oh, mon pauvre Jules, quand on te mènera à l'Oyasse, t'auras beau avoir ramassé tant et plus, tu n'emporteras que ce que t'auras donné, hein. Bon, allez, vaut mieux mettre son nez dans un pot de Beaujolais que dans les affaires des autres. Viens donc boire un coup, Joseph. Oh, bah, j'ai pas le cœur à boire. Alors, viens donc t'épancher sur mon épaule, gonne. Qu'est-ce qu'elle t'a donc fait que tu l'aimes tant, ta bourgeoise? Oh, moi, j'étais un travailleur biberonné de politique et un chouïa contestataire, hein. Puis que quand j'ai eu mon accident, bah, je me suis retrouvé à la porte de mon garni. La Pauline, quand j'étais seul, elle m'a écouté. Quand j'avais faim, elle m'a nourri. Que quand j'ai eu besoin, elle m'a jamais fermé sa porte, va. Oh, c'est une grande dame. Assieds-toi, bon, que je te la raconte par le menu, hein. Oh, tu sais bien, moi, j'ai pas été aux écoles, hein. J'avais pas fait ma première communion non plus. Après la Révolution, il y avait plus d'écoles et les curés, il y en avait plus beaucoup. Ben, on les avait chassés de la France. Ou bien ils avaient juré au gouvernement. Oh, le curé de Saint-Nizier, il avait juré. Il en restait que quelques-uns qui se cachaient pour rester curés, les réfractaires qu'on y appelait, hein. Ils voulaient pas que le gouvernement leur impose sa religion. Oh, ils étaient courageux aussi, ceux qui les cachaient. Si les soldats les trouvaient, pareil, il leur fallait jurer au gouvernement, ou bien on les tuait, dites donc. Pauline, elle a été baptisée chez elle par un de ses curés que ses parents cachaient. Oh, Il y a la des arbres Pauline, autour de elle a moi, une enfance bien heureuse, des va. arbres qui dansent le long du chemin, des arbres qui bruissent du soir au matin, des arbres qui tournent comme une chanson. Il y a des arbres autour de ma maison, des arbres J'essaie de joyeux. dessiner, mais je n'y parviens pas. Comment fais-tu, toi, Laurence, pour rester ainsi concentrée? Je suis toujours à rêvasser. Je ne sais pas. Je crois que c'est un cadeau de Dieu. Ah, Seigneur, que ne m'as-tu donné ce don? Tu n'as fait de moi qu'une enfant incapable de concentration, incapable de rien faire de mes 10 doigts. Allons, Pauline, cesse de te faire du mal. Tu as bien d'autres qualités, tu sais bien. Non, je ne sais rien faire, maman. Que vais-je faire, maman? Qu'y a-t-il, ma chérie? Je n'aime pas te voir pleurer ainsi, tu sais bien. Maman, je ne peux pas dessiner, je ne peux pas coudre, je ne parviens pas à me concentrer, je suis bonne à rien. Allons, mon enfant, tu es encore bien jeune. Tu as tout le temps pour grandir et apprendre des choses. Tu es la joie de notre vie. Tu chantes si bien et tu es tellement vive. Oui, mais regarde, mes amis cousent et dessinent, et Phileas, il sait déjà compter et lire. Et moi, je ne sais rien faire. Phileas est plus grand que toi. Et c'est un garçon. Ce n'est pas pareil, Pauline, tu sais bien. Mais pourquoi, maman, je ne comprends pas? Mes enfants, c'est l'heure de rentrer chez vous. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir, Pauline. À la semaine prochaine. Prochaine. Au revoir, Phileas. Au revoir, Merci, Pauline. madame. Pauline, au revoir, madame. Les enfants, rangez ce que vous avez laissé traîner. Oui, maman. Pauline, tu passes le balai?
Mais enfin, Phileas, pourquoi tu le fais pas, toi ? Tu sais très bien pourquoi. Petit, tu dois m'obéir, parce que je suis un homme, et que j'apprends le latin. Jeanne, j'ai noté quelques phrases de l'homélie de dimanche concernant notre devoir de chrétien. Voulez-vous que je vous les relise ? Oh oui, nous avons tant à gagner à aider les malheureux. Ces gens n'ont rien. Que pourrions-nous faire pour eux ? Chère maman, je voudrais avoir un puits d'or pour secourir tous les malheureux, afin qu'il n'y ait plus autant de pauvres et que personne ne pleure plus. C'est vrai, nous serions bien heureux si nous pouvions donner à tous ceux qui souffrent. Cependant, nous n'arriverions pas à sécher toutes les larmes. Mais console-toi, si tu aimes beaucoup, beaucoup le bon Dieu, tu trouveras dans ton âme des richesses capables de soulager toutes les douleurs. Pauline, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Ce sont des récits de missionnaires de Chine. Oh, Phileas, quelle bonne idée! Moi, j'ai envie d'aller en Chine. Oh, je viendrai avec toi. Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Tu peux pas, t'es une fille. On y voyage à cheval, à deux chameaux, sur des lions et des éléphants. Je n'ai pas peur, Phileas. Je te suivrai au bout du monde. Je veux y aller, moi aussi. Pauvrette, tu ne peux pas. Mais tu prendras un radeau, tu récolteras des tas d'or et tu me les enverras. Et puis à 13 ans, elle est devenue une belle grande jeune femme. Ah, elle a fait sa première communion. Je l'ai vue passer quand elle est sortie de l'église. On aurait dit qu'elle rayonnait. Oh, peut-être plus que le soleil. Oh. Quelle joie, Seigneur, de vous recevoir pour la première fois. C'est sans aucun doute l'action la plus importante de ma vie. Mais je suis prise de tant de scrupules que j'éprouve mille inquiétudes. Donnez-moi l'humilité, Seigneur. Donnez-moi de me connaître en vérité pour que mon âme espère en vous. Que de grâce. Vous me comblez, ô mon doux Jésus. Mon cœur a la fragilité du verre qui couvre ce tableau de vous qu'on m'a donné pour ma première communion. Si mon cœur perd votre grâce, vous m'avertirez en faisant briser ce précieux souvenir de votre générosité et de votre tendresse. Et puis elle y tenait pas, hein. Elle faisait la fête. Oh, elle était ben intelligente, ma Pauline, toute charmante, avec une belle voix douce, va. Oh, elle ne m'a jamais regardée. Elle avait ben d'autres préoccupations, va. Et puis elle était myope comme une taupe, alors. Elle ne voyait pas ce qui se passait sur les trottoirs de son quartier, hein. En août 1814, elle est invitée avec quelques élus à l'accueil de la duchesse d'Angoulême. Oh, un grand bal était donné le soir. Mes amis, je vais peut-être me marier avec le jeune homme qui était présent hier. Il a éveillé ma passion. Il a l'air de t'aimer beaucoup, Pauline. Oh oui, je ne résiste pas. Je suis tellement passionnée de la vie. Tu es la plus belle, Pauline, la plus intelligente. Ah, mes amis, il faudrait être morte de glace pour rester indifférente à vos louanges. Si nous avons été choisis pour être à l'honneur, c'est que nous le méritons. Je me sens si belle. C'est pourquoi l'univers entier vient admirer ma tenue et mes charmes. Dansons, mesdemoiselles, dansons! Ce n'est pas tous les jours que la fille de Louis XVI nous rend visite. Oh, quelle fierté pour les Lyonnais! Et pour tous les chrétiens! J'en suis ivre de joie. Mon père est invité à la table d'honneur. Le mien aussi, évidemment. Et le mien préside à la cérémonie. Allez, allez, dansons, dansons! Nous allons tant danser que, comme d'habitude, j'y laisserai la semelle de mes escarpins.
Quelle fête magnifique! Comme j'ai de la chance! Oh mon Dieu! Le verre s'est brisé! Mon cœur fragile a brisé votre amour, Seigneur. Je vous ai presque oublié. J'ai perdu votre amour. Je suis écartelée entre le désir de prier et le plaisir de la fête. Je suis tellement impatiente de vivre quelque chose de grand. Oh, et voilà qu'elle tombe d'un tabouret. Ben, qu'elle fait comme des crises nerveuses, ma Pauline. Elle ne contrôle plus rien. Pendant un an, elle est tellement malade, va, qu'elle croit partir à l'Oyas. Oh, elle tourne de l'œil sans arrêt. Comment va Pauline depuis qu'elle est tombée de son escabeau? La pauvre petite ne s'en remet pas. Elle est comme devenue folle. Ce sont les nerfs qui lâchent. Et sa pauvre mère qui vient de mourir. Je l'avais entendu dire, « Seigneur, appelez-moi à sa place et laissez ma Pauline en vie. » Moi, c'est la petite que j'ai entendu dire, « Prenez-moi et laissez maman à la vie. » Il paraît que sa mère a dit aussi avant de partir, « Merci mon Dieu, Pauline sera tout à vous. » Pauvre petite, quel choc lorsqu'elle va apprendre le départ de sa mère. Tu penses bien qu'on ne va pas s'aviser de lui apprendre la nouvelle? Ça fait déjà quelques mois qu'elle est malade. Sa veilleuse de nuit m'a dit que lorsqu'elle lit l'imitation de Jésus-Christ, les crises s'apaisent. On m'a dit aussi que lorsqu'elle regarde la croix, ça va mieux. Et pourtant, elle dit qu'elle fuit le Seigneur. Allez comprendre quelque chose. Vous savez la nouvelle? Pauline va mieux depuis qu'elle a communié et qu'elle s'est confessée. Sa famille l'a montée à Fourvière. Marie, maman m'a si souvent parlé de vous. Maintenant qu'elle est auprès de vous, je vous prie de devenir ma mère et de m'accepter pour enfant. Recevez le vœu de mon cœur. Devenez l'appui de ma jeunesse. Pauline, viens jouer avec tes neveux et nièces. Pauline, viens danser avec nous. Pauline, nous entamons Pauline, un petit métier pour apprendre à lire. Ne cours pas, c'est triste, Pauline. Cela ne te convient Pauline, pas. Pauline, que penses-tu de ma nouvelle femme? Tu viens m'aider à faire mon chignon? Allez, Pauline, tu viens danser. Pourquoi tu es triste? Mais tu es guérie. Il nous manque, Pauline. Ora pro nobis mater Dei. Alors, mademoiselle Pauline, sais-tu que ça n'a pas l'air d'aller? Vous avez l'air de me connaître, monsieur? Ben oui, je vous vois passer tous les jours avec vos beaux atours. Mais vous ne me voyez pas, hein. Les grelus, c'est transparent, hein. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu dans le quartier, oh. Oui, j'ai été bien malade. Et puis je suis guérie. Et pourtant, je n'éprouve plus aucun plaisir de la part du monde et aucune satisfaction de la part de Dieu. Oh, c'est juste quand on se porte le mieux que le mal vous aggrappe, hein? Vous en savez des choses. Vous connaissez la maxime lyonnaise? T'es pas content de ta vie? Ben réfléchis voir un peu, mon petit. Tu trouveras que c'est toi le fautif, voir. Je sais bien ça. Je combats sans cesse. Moi-même contre moi-même. J'ai tout. Je suis riche, choyée, je suis si vive, si attachée à moi-même, si vivante de ma propre vie. Et pourtant, je ne vois partout que dégoût et austérité. Ben vois-tu, bien des fois, il arrive que malgré tous ses sous et tous ses talents, un homme riche ne soit finalement qu'un pauvre homme. Oh. Ah ça oui, je voudrais tout donner et ne rien avoir à moi. Oh, ça c'est pas rien d'y penser, va, c'est d'y faire. Oui, c'est vrai. Mais Jésus nous montre l'exemple. Et il m'a bien puni en me clouant au lit. Je ne l'aime pas comme je devrais. Oh, faut pas y dire ça, mademoiselle Pauline. Jamais le bon Dieu punit. Oh, ça serait la fin des haricots, hein. C'est la vie qui est dure avec nous. Ma mère, elle disait que le bon Dieu faisait tout pour nous aider, mais qu'on l'entendait pas, alors. Moi, je voudrais aimer sans crainte, sans mesure, sans remords, sans interruption. Ben crois-moi, ma petite, les dévots, c'est pas tant qu'ils craignent le bon Dieu, c'est qu'ils en ont peur. Ça rend pas heureux, tu sais. Vous vous appelez comment? Joseph
Mademoiselle Pauline, paroissien des trottoirs de Saint-Nizier, pour vous servir. Oh. Merci pour la leçon, Joseph. Et voilà quelques sous pour le professeur. À bientôt. Alors à bientôt, Mademoiselle Pauline. Oh, c'est comme ça que je l'ai connue, ma Pauline. Et puis après, je ne l'ai plus quittée, hein. Moi, j'avais désappris le bon Dieu. Elle l'avait retrouvée. Et puis pas qu'un peu. Elle est comme ça, la Pauline. Quand elle y fait quelque chose, elle y fait pas à moitié, va. Oh, ben y a pas coulé beaucoup d'eau dans le Rhône avant qu'elle change, hein. Un jour, qu'elle allait à la messe avec sa sœur Sophie, on se salue, discrètement pour pas que ça cancane, va. Ben, c'est que je l'ai pas vue ressortir avec les autres. Elle m'a raconté après, le curé Wurtz, c'est son nom. Il a si bien prêché en chaire, sur la vanité qu'elle m'a dit, qu'elle est tombée de sa chaise. Oh, et qu'à la fin du prêche, elle a couru à confesse, hein. Elle y a tout dit. Oh, c'est qu'elle s'y croyait un peu, ma Pauline, toujours à se rapapilloter, une idée à la minute, et que je te danse par-ci, et que je te chante par-là, et que je te fais la coquette, va. Eh ben, quand elle est sortie, elle m'a dit comme ça d'une traite. Joseph, le bon Dieu m'a vaincu. Mon désespoir se change en conversion. Je vais aller vers mon père, me réconcilier avec lui. Je reviens à lui sans partage, sans réserve, pour toujours. À bientôt, Joseph. Jésus, c'est Noël. Comme la grotte de Bethléem, mon cœur n'est pas limpide. Et pourtant, Jésus vient d'y naître par la foi. Nous naissons dans le sang et les larmes. Je choisis d'être l'épouse de Jésus-Christ. Oh, bonheur inattendu. Vous me dites, je suis Jésus. Reconnais ma voix. Je cherchais avec avidité quelque chose qui pût combler l'avidité de mon cœur. Jésus, vous seul pouviez m'offrir ce que je désirais depuis si longtemps. En vous, j'ai rencontré la paix, le repos et l'amour payé par un plus grand amour. Joseph, j'ai compris que j'étais faite pour aimer et agir. J'ai vu la misère des ouvriers et celle de leur famille. Moi qui suis riche, je ne me doutais pas de ce qu'éprouvait une mère à laquelle ses enfants demandent du pain. Mais vous avez vu les conditions de travail sur notre colline de la Croix-Rousse ? Les femmes et les enfants à 7 ans qui sont déjà sous le bistanclaque, ils bougrassent toute la journée. Oh, 16 heures par jour, que c'est un vrai massacre, oh ! Oui, Joseph, ce qui frappe tout homme animé d'un esprit de justice et d'humanité dans l'examen de la situation de la classe ouvrière, c'est l'état de dépendance et d'abandon dans lequel la société livre les ouvriers au chef, sans qu'aucune garantie d'existence, d'avenir et d'amélioration morale et physique soit donnée. Oh, les canuts, ils sont 30 000 à habiter et travailler sur notre colline de la Croix-Rousse, place des Terreaux, à Saint-Georges. Ils turbinent toute la journée, et pourtant le manger leur fait faute. Oh, il faut que ces impolitiques fassent des lois pour protéger ces pauvres ouvriers, hein. Il est nécessaire de supprimer les causes du désordre, en donnant à ceux qui souffrent les deux choses dont les hommes ne peuvent se passer. Du pain et une espérance, la sécurité et la lumière, ce qui assure la vie matérielle et ce qui la transfigure. Améliorer les conditions de vie et apporter la bonne nouvelle. Je vais commencer par transformer l'usine de Saint-Vallier, celle de mon beau-frère. Ce sera une usine modèle.
malheureuse que je suis. Je veux servir Dieu et l'Église, mais mon sexe, ma faiblesse, y mettent un obstacle invincible. Pourtant, je veux servir la gloire de l'Église. Mais comment une fille pourrait-elle y aspirer? Ce n'est réservé qu'au ministre du Seigneur. Je vais aller voir Sa Sainteté le Pape. Mais que lui dirai-je? Je ne veux pas entrer au couvent. Ma piété est trop faible. Non, ce n'est pas cela que Dieu me demande. Ce n'est pas là que je dois me consacrer à Jésus-Christ. Je veux demeurer libre d'aller là où les besoins sont les plus grands. Je l'entends me dire, « Tu es réservé à remplir des desseins cachés. Je veux que tu serves ma gloire. » Je travaillerai au milieu des ouvrières de mon père à soulager toutes les misères. Paul, il faut que tu la raisonnes. Pauline est revenue de l'usine de Saint-Vallier avec un accoutrement ridicule. Père, il faut la comprendre. Elle veut vivre comme nos ouvrières. Elle fait tellement de bien lorsqu'elle est au milieu des gens simples. Oui, on sait. Elle est si proche et plus pauvre qu'elle veut tout leur donner. Mais je ne saisis pas l'intérêt de se ridiculiser pour autant. Elle ne veut vivre que pour Dieu. Avec Pauline, c'est tout ou rien. Toujours dans l'excès. Eh bien oui, c'est moi. Ce n'est pas très saillant. Victor, mon chéri, soyez plus délicat. J'ai dépouillé le vieil homme et j'ai revêtu l'homme nouveau. Quand même, tu prends le bouillon trop chaud, Pauline. Vas-y avec plus de mesure. Je veux donner tout ce que je possède. Mes bijoux, mes robes, je ne garderai que le strict nécessaire. Notre rang, notre richesse, Pauline. Père et mère l'ont gagné à la sueur de leur front. Il n'y a rien de mal à cela. Non, bien sûr, pas pour vous. Mais moi j'ai un si grand attrait pour les belles toilettes et la mondanité que je ne saurais vaincre cette sotte vanité si je la ménageais. Il me coûte beaucoup de porter ces vêtements grossiers. Mais je veux me débarrasser radicalement des symboles de la vie mondaine. Ma petite fille, je te demande dans l'obéissance à ton père de ne rien donner sans m'en demander la permission. Mais... Bien, papa, si c'est votre volonté. Mademoiselle Jarépoux est devenue folle. Voyez comme elle est vêtue. Voilà ce qu'on dit de toi en ville, ma Pauline. Est-ce que tu réalises? Si vous voyez le dedans, comme il est plus mal vêtu encore, vous en auriez bien plus pitié. Vous ne voyez que le plus beau côté de ma personne. Toi que j'admire tant, ma petite sœur, qui est si profonde, tellement vive. J'ai besoin de toi pour tenir la maison, recevoir nos ouvriers à notre table et nos amis. Oui, Pauline, ta sœur et moi sommes bien occupés par l'usine. Nous avons besoin de toi maintenant que ta mère n'est plus là. Je ferai tout cela avec joie, mais j'irai aussi à l'Hôtel Dieu tous les jours m'occuper des incurables. Parfois, je ne sais pas si je me suis égarée. Je veux me dévouer pour l'Église dans une voie qui n'a pas encore été pratiquée et que je ne connais pas vraiment. Personne ne sait m'y diriger. Je voudrais être au service du Christ et de l'Église sans être religieuse. Tu prends ton envol, petite sœur qui devient grande. Plus grande que moi, parfois. Je veux aussi faire revenir le peintre qui a réalisé mon portrait. Et il retouchera mes vêtements. Au moins pour la forme. Et pour la décence. Comme tu voudras, Pauline. Père, Sophie, Paul, Laurette, Phileas, Zacharie, Victor, je vous demande bien pardon pour toutes mes erreurs de jeunesse. Ma colère, mon orgueil, ma frivolité si sûre de son bon droit, mon trop de vivacité parfois. Pardon pour chaque fois que je vous ai blessé. J'ai blessé maman aussi. Je n'ai pas eu le temps de lui demander pardon avant qu'elle nous quitte. Je le ferai dans la prière et la pénitence. Merci pour votre affection. La vie spirituelle n'est rien d'autre que la vie dans l'Esprit Saint. C'est lui l'accompagnateur de nos journées et de nos victoires spirituelles contre l'esprit du mal. Si je ne veux pas rendre les pauvres participants de ce que je possède, à quoi sert d'aller à l'église le dimanche? Pauline, je suis heureuse que vous nous ayez rejointes dans l'association des Sœurs du Sacré-Cœur. Heureusement que votre société de vierges chrétiennes m'a accueillie, Claudine.
Vous êtes des modèles et des guides pour ma jeunesse. La France peine à se relever de la terreur. En pardonnant aux bourreaux qui ont tué mes frères, j'ai compris que nous pouvions réparer la blessure du cœur de Jésus. Il souffre tant quand il voit nos guerres et nos injustices. Maintenant que j'ai puisé des forces à votre exemple, je vais proposer à toutes mes amies ouvrières d'être des réparatrices, des consolatrices de l'amour de Jésus outragé. Réparer l'amour blessé, Pauline, n'est-ce pas notre vocation de chrétienne ? Oh oui, c'est cela, Gladys. Passer toute ma vie à réparer l'amour blessé là où il y a besoin. C'est ce que je voudrais faire. On va dormir au chaud ici ? Vous nous gardez pour la nuit ? S'il vous plaît, je voudrais de la soupe. Je voudrais travailler chez vous, ma sœur, pour manger tous les jours. Je pourrais vous aider en cuisine, ma sœur. J'aime bien votre soupe. J'en ai jamais mangé une aussi bonne. Et le pain, il est pas rassis. Ça change. J'ai froid. J'ai faim. C'est chaud, c'est bon. Miam, c'est chaud. Oh, j'ai faim. C'est bien chaud, ça sent bon. C'est tellement bon. Merci, ma sœur. Une louche, s'il vous plaît, ma sœur. Moi, j'en ai qu'une fois. Merci, ma sœur, c'est délicieux. Moi aussi, j'en veux. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Ma sœur, mon petit frère a mal au ventre. Donnez-lui ma part. Ah non, toi aussi, tu as faim. Ma sœur, on va partager. Il y en aura pour nous trois. Bientôt, nous pourrons établir nos écoles sur le terrain de Fourvière que votre famille a acheté pour nous. Et je ferai en sorte que beaucoup de congrégations enseignantes et hospitalières vous rejoignent sur la colline. Je contribuerai à faire de la colline de Marie une colline qui prie. Je me sens appelée à d'autres actions, Gladys. Je ne sais encore quoi. Priez avec moi pour que le Seigneur me guide et que je sois bien docile à l'Esprit-Saint. Je vais m'occuper à la charité de détail. Remue-ménage, petite mendiante à placer. J'irai tous les jours à l'hôpital. C'est nécessaire à mon caractère actif et aimant. Je ne peux trouver de repos qu'en menant une vie d'agitation perpétuelle dans la charité. L'amour de Dieu donne du prix aux moindres actions. Mais les plus belles actions sans amour sont sans beauté et sans vie. Fréquente de votre cœur. Votre voix chérie répond à mes doutes, calme mes troubles. Vous m'avez dit, veux-tu souffrir et mourir avec moi ? Je tremble devant ce que vous me demandez, Seigneur, le sacrifice absolu de moi-même. J'entrevois l'appel à être victime. Je crois que vous marchez toujours avec moi. Alors j'y consens, mon Jésus. Je veux bien être victime avec vous du désamour des hommes. J'offre ma vie pour le salut de la France et de ceux qui vous rejettent. Tenons-nous disponibles à ce que vous dites, Jésus. Mon cloître, c'est le monde. Mes sœurs, notre petite association des réparatrices du cœur de Jésus a 2 ans. Mon frère Phileas nous remercie de verser notre sou régulier pour aider les missions étrangères de Paris. Les missionnaires d'Asie nous en sont très reconnaissants. Et hier, le Seigneur m'a donné un plan. Trop tard, Pauline. Nous sommes découragés. Notre action est une goutte d'eau dans un océan de souffrance, Pauline. Ils n'ont plus de moyens pour leurs hôpitaux, leurs catéchismes, leurs écoles. Plus aucune ressource depuis la Révolution. Nous ne sommes pas à la hauteur des besoins. Nous sommes si peu nombreuses. Allons les filles, courage!
Les prêtres des missions étrangères de Paris donnent leur vie pour porter la bonne nouvelle de l'amour du Christ à ceux qui ne la connaissent pas. Eh bien, nous faisons notre part là où nous sommes. On nous tourne en dérision, mademoiselle Pauline. On dit que notre démarche est naïve. Que pouvons-nous faire de plus ici, Pauline ? Moi, je ne fais plus repasser mon bonnet. Cela me coûtait un sou, mais je le donne maintenant aux missions. Mais je n'ai pas un sou de plus. Et moi, je donne le sou de ma chaise et je suis la messe debout. Mais que puis-je faire de plus ? C'est bien trop loin. Mais comment pouvons-nous répandre ce feu si loin de nous ? Oh les cœurs, les filles ! Le Seigneur m'a donné un plan pour que nous soyons beaucoup plus nombreux à donner un sou. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on agisse ensemble. Bon alors, dites-nous quand même, Pauline. Quel plan le bon Dieu vous a-t-il inspiré ? Oui, dites toujours, Pauline. On ne sait jamais si on peut aider encore. De toute façon, nous sommes si pauvres. Nous ne pouvons donner que si peu. Écoutez bien. Je trouve dans mon intimité 10 personnes qui donnent chacune un sou par semaine pour la propagation de la foi. Chacune de ces personnes trouve à son tour 10 personnes dans son entourage pour donner un sou par semaine. Et ainsi de suite. Les dizainaires recevront la collecte de leurs associés. Puis un chef de centaine, le centenaire, réunira la collecte de 10 chefs de dizaine. Et puis le millénaire recevra par l'intermédiaire de 10 centenaires la collecte de 1000 associés. Amélie, et Louise, puis Marthe, Francine, Emma aussi, Georgette, Rose, oui, Adélaïde, Justine, Angélique, Liliane, Marie, Vera, Apolline, oui, Apolline, cinq, Arlette, avec Micheline, Faustine, 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 aussi, Faustine, Elisabeth, Juliette, et puis Perrine, Dorothée, ah, j'oublie, Rosalie, oh, oui, je sais, Léon, Léontine, Oscar, Antoine, ça sera bien avec Amélie. Germaine, elle aussi, je suis sûre qu'elle est Rosalie. Oui, cela paraît si simple. Comment se fait-il que personne n'y ait pensé plus tôt ? Ce ne sera pas une association purement spirituelle, éventuellement assortie de dons, mais la mise en œuvre d'un système permanent de collecte d'argent. Un système que je vois horizontal, qui partira de la base. Tous les baptisés pourront contribuer ainsi à la propagation de la foi et de l'amour de Dieu dans le monde entier, en commençant par l'Asie. Il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on prie ensemble. Être prêt à supporter les fatigues du voyage. Dieu veut faire éclater sa puissance, sa justice, sa providence, en se servant de ce qu'il y a de plus faible pour confondre les forts.
Joseph. La polémique continue, ça me colle à la peau. J'ai réuni près de 1000 personnes dans notre organisation de la propagation de la foi. Mais le grand vicaire de Saint-Nizier m'accuse de faire un schisme. Il me dit que cette initiative laïque, sans autorisation de l'archevêché, pourrait éloigner les fidèles de la vie paroissiale. Oh, mais faut expliquer, faut négocier, Pauline. Tu fais peur aux gens parce que ça marche, ton affaire, va. J'ai écrit à l'abbé Courbon en lui proposant de dissoudre l'organisation. Notre cher Benoît Coste m'a transmis la réponse du grand vicaire. Ne pas la dissoudre, mais ne pas l'augmenter. Continuer à faire le bien sans faire de vagues. C'est un peu tiède, non ? Oh, mais t'as d'autres conseillers dans l'église, va donc les voir. T'es qu'un petit bout de bonne femme. Mais il faut pas te laisser intimider. Si ta conscience te dit d'y aller, faut y aller, et puis c'est tout. J'en ai parlé à mon confesseur. Ils m'ont dit de bien continuer de récolter le plus d'argent possible. Pour les missions, qu'il est grand vicaire lui aussi, et que donc il a la même autorité que lui. Oh, ben donc tu vois bien, c'est pas toi qui es en cause. Ils ont qu'à se mettre d'accord entre eux, les hautes autorités. Pendant ce temps-là, tu travailles, et puis c'est tout. Ah, Joseph, il faut aimer l'Église et ses ministres. Oh, faut pas rêver, la vie, Pauline. C'est toi qui m'as dit qu'on avait chacun notre croix à débagager. C'est pas facile, hein. C'est peut-être la tienne que celle-ci, être une fenote laïque qui attend d'un génie pour tâcher d'y mettre en œuvre des plans nouveaux. Qui veut être obéissante à l'Église, mais ces messieurs, j'ordonne, qui savent que m'étrillonner. T'as la foi, t'as la charité, il te faut l'espérance maintenant. Vous avez toujours les mots qu'il faut, mon ami. Après bien des hésitations, je continue. Nous sommes à 1000 donateurs. Si cette pensée vient de Dieu seul, elle sera féconde, comme tout ce qui émane de la puissance infinie. Oh, mais faut t'associer, Pauline. C'est trop gros pour tes épaules. À plusieurs, on est bien plus fort, va. Et plus intelligent. J'ai demandé à Victor Giraudon de s'associer avec moi pour ouvrir un autre 1000. Je garde le premier 1000. C'est un homme simple et bon. Il est commis en soirée. À nous deux, nous animons des dizaines à Saint-Vallier, Saint-Nizier, Saint-Jean, Saint-Irénée, Saint-Polycarpe, La Guillotière, Caluire, La Croix-Rousse, Saint-Étienne, Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Et mon frère Phileas dit que Benoît Coste prendra peut-être l'affaire des missions étrangères en main. On pourrait fonder une association. Oh, j'ai lu les imprimés que ton frère Phileas vous envoie pour japper à propos des missions. Oh, c'est tellement épatrouillant, s'y croirait, va. Oui, ils sont fort appréciés par les donateurs. Nous nous retrouvons pour prier et pour les lire ensemble. Grâce à cela, les versements ont augmenté régulièrement. Regarde. 9 versements pour un total de 6000 francs au MEP de 1819 à 1822. Oh, ben avec toi, vaut mieux être chinotoc que pauvre grelu sous les trottoirs de Saint-Nizier. Hein. On y gagne plus, se voir. Non, Joseph. Un jour, je fonderai une œuvre pour les ouvriers, si Dieu le veut. Pour l'instant, nous sommes un peu dépassés par le nombre de ceux qui nous rejoignent. Il faut déjà gérer ce qu'on a commencé. Et mon frère dit que notre petite œuvre se répandra sur toute la terre. Merci, messieurs, de votre présence. Vous savez la détresse dans laquelle se trouve l'émission de Louisiane. Il est urgent de trouver les moyens de lever des fonds pour les venir en aide. Je les acheminerai moi-même jusqu'en Louisiane pour le bien de l'Église. Je vous remercie, Monseigneur Iglesi. Phileas Jaricot, qui est au séminaire des missions étrangères de Paris rue du Bac et à Saint-Sulpice, espère que je pourrai vous mobiliser pour faire une œuvre catholique qui soutienne les missions des deux mondes. Cher Benoît Coste, nous rêvons tous d'aider les missions exsangues, qu'elles soient d'Asie, d'Amérique ou même un jour de Madagascar. Vous connaissez mon souci de fonder une œuvre universelle pour aider les missions. Notre congrégation d'hommes pourrait fonder une association en ce sens. Je vous ai réunis pour cela. Profitant de la présence en France de Monseigneur Inglesi, qui cherche à lever des fonds pour les missions d'Amérique. Oui, quelle belle idée, une œuvre universelle pour les deux mondes. Une association qui, par la prière et par l'aumône, soit profitable à toutes les missions du globe. Monsieur Victor Giraudon, je crois que vous appartenez à une association qui récolte de l'argent pour les missions d'Asie. Expliquez-nous, comment vous procédez ? Messieurs, je suis très honoré, moi le petit commis de fabrique, de participer à cette réunion
d'homme de votre qualité. Oui, j'appartiens à une organisation fondée en décembre 1819 dans la paroisse Saint-Polycarpe au profit des missions asiatiques du séminaire de la rue du Bac. Elle récolte déjà 150 francs par mois depuis 3 ans. Déjà, nous sommes plus de 2000. Nous prions ensemble, notre saint patron et saint François-Xavier. Tout naturellement, nous avons appelé cette association de personnes du nom de l'œuvre de la propagation de la foi. Mais plus précisément, comment procédez-vous ? C'est très simple. 10 personnes donnent chacune 1 sou par semaine pour la propagation de la foi. Chacune trouve à son tour 10 personnes dans son entourage pour donner 1 sou par semaine, et ainsi de suite. Pour récolter la collecte des associés, tout est organisé par groupe de 10, 100 et 1000. Nous recevons des nouvelles démissions que nous distribuons sous forme de bulletin à tous les associés. Fort bien, Monsieur Giraudon, je vous remercie. Eh bien, je crois qu'il faut ériger notre assemblée en conseil provisoire pour élaborer un projet de règlement. Nous pourrions fonder une association fondée sur le même fonctionnement qui se nommera Société de la propagation de la foi, avec Saint François Xavier comme saint patron, des prières quotidiennes et la publication d'annales. C'est exactement ce qu'il faut faire, mais il faut diriger les dons vers l'Amérique autant que vers l'Asie. Nous en avons tant besoin. Oui, c'est cela. Nous contribuerons ainsi à sauver la mission des deux mondes. Joseph, c'est injuste. Il s'approprie mon idée sans me consulter. Voilà 3 ans que nous envoyons des fonds au MEP. La convenance, ou même juste la charité, aurait voulu qu'il m'en parle pour m'associer un peu à leur projet. Oh, mais t'énerve donc pas, bah. Faut laisser le temps au temps, hein. Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que je sois malade le jour de leur réunion ? Il n'aurait pas dû laisser faire cela. Oh, j'aurais dû y être. Mais pousse pas des soupirs comme des pets de vache, va. De toute façon, tu n'aurais pas été invité, et voilà. Victor Giraudon aurait au moins pu évoquer mon nom. Je crois qu'il a si bien pris les choses en main qu'il a oublié que c'est moi qui lui ai demandé de l'aide parce que l'œuvre grandissait. Je lui ai confié le 2e 1000 et j'ai gardé le 1er. Et nous sommes bien tous les deux pour animer l'organisation. Bon, dans ce monde-là, les jeunes filles ne délibèrent pas avec des hommes mûrs aux situations importantes, hein. Vous avez raison, Joseph. Je suis encore bien humiliée. Mais Dieu a suscité d'autres instruments pour faire valoir l'œuvre de la propagation de la foi. Oh, mais il n'y a pas de pays au monde où s'en voit autant que sur cette pauvre terre. T'as créé un truc nouveau. T'es tellement en avance sur ton temps, ils n'y auraient jamais pensé, alors. Après tout, que m'a-t-il coûté de présenter un plan qui s'est placé de lui-même sous mon crayon, sans réflexion ni calcul de ma part ? Qui osera s'en attribuer la gloire ? Un plan de dingue, oui. Tu vois, ils ont tort, tous les patrons, de ne pas vouloir t'y associer. Ils pensent organisation rationnelle de la productivité et l'efficacité. Toi, tu fais pareil, hein, mais en mieux. Tu demandes aux petites gens de s'associer entre eux, de compter les uns sur les autres, d'aider les plus pauvres qu'eux. Tu crées des réseaux d'entraide, tous au même niveau. Horizontalité, dons participatifs, etc., etc. Il faut soigner le corps de Jésus jusqu'au bout du monde. Le corps social est malade, Joseph. Oh, je n'avais pas remarqué, hein. Le centre, c'est le Christ. Et l'écho du cri de l'amour du Christ doit se répéter jusqu'au bout du monde. C'est cela l'œuvre que j'avais lancée avec mes amis les plus pauvres depuis déjà quelques années. Ben moi, je me pense comme ça que tu peux aller te faire l'enlair. Ils te rendront jamais tes copies, oh. Vous avez raison. Je n'en parlerai plus. Je continuerai juste de bien m'occuper de mon mille. J'ai été l'allumette pour allumer le feu. Oh, et ton feu, il va brûler loin et longtemps, tu verras. C'est ce que je désire le plus au monde. Et ces messieurs sauront faire mieux que moi pour faire grandir l'œuvre de la propagation de la foi. Bon, j'ai entendu que ce monseigneur Inglési, là, celui qui a poussé à la création de l'association, eh ben, il est parti avec la caisse dès qu'on lui a donné, tu te rends compte ? Il a été destitué, mais c'était bien trop tard. Des escrocs, t'en auras toujours sur tes basques, Pauline, parce que t'es trop riche et t'as trop de bonnes idées. Il a joué le rôle d'une guêpe
qui vient manger le miel des abeilles. Bon oui, il y a eu Judas, il y a Monseigneur Inglési, des tordus, il y en aura bien toujours, mademoiselle Pauline. Il paraît que Dieu trace droit le salut avec nos vies bancales. Hein. Vous avez encore raison, Joseph. C'est une leçon d'humilité. Ah, pauvre Jésus, il n'a pas fini de nous supporter. Bon, vous m'avez appris que c'est par amour, mademoiselle Pauline. Quelquefois, je m'ennuie devant le Saint-Sacrement et j'entends votre voix qui me dit « Tu t'ennuies ?» Et moi qui suis là tout le temps. Mon Jésus, cette nuit, Marie a guidé ma main pour écrire un petit livret sur votre présence dans l'Eucharistie et pour vos prêtres. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. C'est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché a trouvé la force nécessaire pour supporter la rigueur. C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage. Cher prêtre, ministre de Jésus-Christ, recevez mon plus profond respect filial. Vous êtes choisi entre tous les hommes pour opérer les prodiges de l'amour infini. Mais permettez que je vous le dise, c'est en vain que vous cherchez des lumières dans vos lumières et des conseils dans la science des hommes. Réveillez-vous, allez au tabernacle. Ah, n'en doutez pas, si vous connaissiez bien votre pouvoir sur le cœur de Jésus, votre tristesse se changerait en joie. Vous goûteriez dans le service un ample dédommagement de la stérilité apparente de vos travaux. Votre présence d'amour dans la Sainte Hostie est nécessaire à mon âme autant que le soleil est nécessaire à ma vie sur la terre. Mon confesseur m'a demandé ces 3 années de réclusion et de solitude. Comme c'est difficile pour moi qui suis une femme d'action. Mais si je ne m'étais pas retirée, jamais je n'aurais compris la force et la nécessité de la prière et du rosaire avec Marie. Chère fille de Marie, nous avons eu la chance d'acquérir cette maison de Lorette pour en faire le centre de l'association du rosaire vivant. Mettez les livres ici. Il faut qu'on s'organise. Personne n'avait le temps de dire chaque jour 150 « Je vous salue ». Nous ne disions plus le rosaire. Encore une idée formidable, Pauline. C'est le Seigneur qui m'a donné un plan. Chacun dit une dizaine seulement, c'est un concert continuel. De sorte qu'une voix cessant, une autre reprend aussitôt. La conseillère donne un esprit de louange, d'amour, de service et de partage entre les associés. J'ai trouvé facilement 15 personnes pour former une quinzaine. Nous avons tiré au sort chacune notre mystère pour le mois. J'ai tiré dans les mystères joyeux la visitation et je n'ai aucune peine à réciter ma dizaine tous les jours. Moi, j'ai tiré au sort la naissance de Jésus, le mystère qui est juste après le tien. Je penserai encore plus à toi lorsque je dirai ma dizaine de chapelets. Oh les cœurs! Voilà les imprimés pour envoyer la répartition des mystères dans le monde. On nous en demande tous les jours. Depuis que nous disons le rosaire avec les ouvrières de ma quinzaine, nous avons trouvé des petits moyens pour aider l'une ou l'autre qui ne va pas bien. Faire revivre les mystères du rosaire et les mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Vous avez tout compris. J'ai l'impression d'être en famille lorsqu'on se retrouve. Et finalement, en donnant 1 sou par semaine, je suis fière de pouvoir aider. Moi aussi. Pourtant, les sous se font rares à la maison. Mais il y a toujours plus pauvres que nous, finalement. L'autre jour, l'évêque m'a dit « Pourquoi prendre le terme de rosaire vivant ? L'autre est-il mort ?» Et que lui avez-vous répondu ? Le rosaire était endormi et j'ai voulu le réveiller.
Eh bien, c'est gagné, Pauline. Nous sommes 4000 associés et 255 quinzaines. Le rosaire était laissé aux dévotes de profession. Et encore, à condition qu'elles fussent vieilles et n'eussent rien à faire. Et pour transformer cela, Pauline inventa le rosaire vivant. On a été livré des manuels de l'adoration. Je les pose là ? Oui, très bien. Envoyez-en 500 à mon cher ami le curé d'Ars. Il déborde de monde dans son église. Notre ruche est bien organisée, Pauline. Nous recevons des commandes depuis le monde entier. Des centaines de bons livres, des milliers de chapelets et d'images. J'ai besoin de vous, mes filles. Nous sommes associés pour être les moteurs de cette entreprise. Je mets où les manuels sur la communion et la prière ? Ici. Attendez, je vous aide. Quelle joie d'aider nos frères et sœurs à prier, même ceux qui n'y croient pas beaucoup. Les membres des quinzaines sont très divers. Du bon, du médiocre, et quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté. 15 charbons, un seul est bien allumé, 3 ou 4 le sont à demi, et les autres pas. Rapprochez-les, et c'est un brasier. Une minute de prière tous les jours, ça fait une demi-heure par mois de méditation. Ça rapproche du salut. Le cardinal Lombruschini a béni notre œuvre. Et le pape a fait parvenir une lettre pour nous soutenir. Si vous aviez vu la tête de certains prêtres lyonnais... Oh, elle a demandé au pape directement l'autorisation de réaliser son œuvre. Sans passer par les autorités locales. Un crime pour les Gallicans. Pauline, voici encore 50 lettres de demande d'évêques de toute la France et d'Amérique latine, d'Écosse, d'Inde, d'Afrique, de Turquie. Ils demandent des chapelets, des manuels. Ils vous appellent tous notre bonne mère. Ceux-là au moins ne critiqueront pas que notre association soit dirigée par des femmes. Ce sont aussi des demandes de toutes les classes de la société, des plus pauvres aux plus aisés, des princes et des paysans. Votre circulaire du mois est imprimé, Pauline. J'ai hâte de la lire. Nous allons pouvoir la distribuer à notre réunion de quinzaine. Pauline, je compte pour cette année 140 000 livres, 40 000 images, 19 000 chapelets, 1000 expéditions par jour depuis Lorette. Vous êtes respectée partout, Pauline, une entrepreneuse de Dieu intrépide. 245 millions de médailles de l'Immaculée Conception envoyées dans le monde entier. Il faudra en faire refaire, nous n'en avons plus. Si ce n'était la mort de mon cher frère Phileas, je pourrais être pleinement joyeuse. Heureusement, ma sœur Sophie est une présidente tellement efficace et bienveillante. Je suis bien malade, mes sœurs. Mon cœur ne cesse de me faire des misères. En canuserie, on travaille l'été de 3h du matin à la tombée de la nuit. Et l'hiver, de 5h à 11h le soir, jusqu'à 16h par jour. Les compagnons, ils ont pas de cambus à eux. On est nourris et logés par le fabricant. On est comme enfilochés. Entassés avec nos gones dans des cabiotes trop courtes chaudes. Moi, je ne gagne pas 20 sous pour 16 heures de travail. Mamounine, qui a pas 8 ans, elle est à la fabrique. Et moi, mon gone de 10 ans passe sa vie sous les bistons claques pour réparer les fils cassés. Faut nous revenger pour toucher à cette pécunio qu'on a besoin. Les marchands, ils veulent tout la contraire. Ils nous regardent de haut. C'en est inconvenant. Ils trancanent notre misère, comme si c'était de notre faute. Ils nous menacent par la mogne. Les négociants veulent pas causer avec nous. Ils s'en croient ici tellement qu'ils nous écoutent pas. Ils savent que faire des bourtifailles, à s'en faire péter la basane. Mettons à mal le travail. Oui, on va se mettre en dimanche, avec nos beaux affaires, et puis on va les grelasser en ville. Oui, vaut mieux ne rien faire que de travailler pour tourner de l'œil, à cause que t'as trop faim. Prenez ces médailles. C'est Marie conçue sans péché. Elle guérit. Partez d'ici avec vos amulettes. C'est de la supercherie. Marie sauve. Elle ne tue pas. Mesdames, j'en veux une aussi. Colonel, prenez-en donc une et laissez-nous en distribuer. Cela ne peut faire de mal à personne. Vous n'avez pas aussi des chapelets, des livres pieux ? Marie est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ces Lyonnaises vont finir par rendre tous nos soldats dévots. Il faut faire remplacer le régiment. Joseph, j'ai cru mourir martyr. J'étais prête. Mais le Seigneur m'a dit, Pauline, le martyr du cœur ne te suffit-il pas ? Oh, mais vous prenez toujours tous les risques, mademoiselle Pauline. Et vous tenez si mal sur vos quilles que vous risquez de faire un patacus sur le trottoir à chaque pauvre. À quoi servirait aux chrétiens de France d'aider à l'évangélisation des pays de mission s'ils négligeaient leur devoir immédiat de justice et de charité envers leurs frères proches? Oh ben vous, plus vous fréquentez les grelus, plus vous approfondissez la pétouche qui dévore la société, va. Oui, Joseph. Les abus et les injustices du système économique font peser sur les ouvriers une misère imméritée. Oh, les patrons, ils nous humilient à regonfle. Ils veulent pas comprendre pourquoi parfois qu'on leur refuse l'ouvrage ou qu'on peut pas toujours leur flatter la bille qui mange de viande. Ils veulent baisser le prix du travail et ils y vendent plus cher aux clients, alors. Je voudrais donner à un premier groupe d'ouvriers le moyen de se régénérer eux-mêmes avant de faire boule de neige et d'aller délivrer leurs frères par solidarité, de proche en proche, par la vertu toute puissante de Jésus ouvrier. Au revoir, Joseph. Je vais aller m'allonger. Je ne tiens plus debout. Oh, v'là-t-il pas qu'elle s'est mise en tête d'aller se faire guérir à Mugnano par sainte Philomène, ma Pauline, hein? Quand elle a demandé son avis au médecin, oh, il lui a dit qu'elle était un sujet très curieux à observer, va. Oh, qu'elle devrait être morte depuis un moment. Que donc, elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait. Il répondait de rien, et voilà. Elle est partie au début de l'année 1835, étendue dans une chaise de poste, hein. Pâle comme une morte, ben. Elle décide de s'arrêter à Rome pour voir le pape Grégoire XVI. Oh, elle arrive tellement à plat de lit que c'est lui qui accourt à son rencontre. Alors vous vous rendez compte? Oh, ma fille, je suis heureux de vous revoir en vie. Vos œuvres de la propagation de la foi et du rosaire vivant sont admirables. Quand vous serez arrivée au ciel, priez bien pour moi. Oui, très Saint-Père, je vous le promets. Mais si à mon retour de Mugnano, j'allais à pied au Vatican, votre sainteté daignerait-elle procéder sans retard à l'examen définitif de la cause de sainte Philomène? Oui, 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 ma fille. Car alors, il y aurait un miracle de premier ordre. On dirait qu'elle sort du tombeau. Elle ne reviendra pas. Accordez-lui tout ce qui est possible de privilège et d'indulgence. Oh, ma Pauline, elle arrive à Mugnano le 8 août 1835. Ils étaient un gros cuchon que mâchonné pour la fête de sainte Philomène. Eh ben, ils y accueillent comme une grande reine, va. La fondatrice de deux grandes œuvres qui y disent, hein. Bon. La Tipoc, elle s'évanouit à côté des reliques, dites donc. On y a cru qu'elle était morte. Mais la gaune, c'était tout l'un contraire. Tout par un coup, elle était guérie. Ah, au début, elle n'ose pas le montrer au monde qu'elle est requinquinée. Elle marchote de ci, de là. Puis elle prend de l'assurance, hein. On la mène en procession, on lui donne des reliques. Et elle repart au Vatican, dites donc. Ma fille, marchez devant moi. Allez, retour. Recommencez, je vous prie. C'est extraordinaire. Monseigneur, ce n'est pas dans le protocole. Encore, Pauline. Encore une fois. Je suis... C'est... Monseigneur. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui l'ai voulu. Le Seigneur
a fait bien d'autres exceptions pour elle. Très Saint-Père, puis-je enfin élever une chapelle à Sainte-Philomène ? Oui, ma chère fille de Lyon, nous allons pousser l'étude de la cause. Vous resterez près de moi à Rome. Je serai heureux de m'entretenir avec vous régulièrement et nous pourrons prendre acte de votre guérison de manière pérenne. Cher Joseph, comme vous m'avez manqué. Oh, comme vous avez le visage bien requinquiné, c'est donc que vous en aviez besoin, mademoiselle Pauline. À Lorette, j'ai tout rapapilloté, comme vous m'avez demandé, vous verrez. Oh, ils m'ont payé le travail rubis sur l'ongle. Alors merci pour l'embauche, mademoiselle Pauline. Et moi, j'ai confié l'œuvre du rosaire vivant aux Dominicains. Et j'ai rapporté des reliques de Sainte Philomène à mon cher curé d'Ars. Il en fera bon usage. À Lorette, sa vie à plein. Accueil, prière, expédition du rosaire vivant. Ça n'a pas arrêté de turbiner en votre absence. Mais il y en a plusieurs qui se languissent de vous voir. Ils veulent vous demander conseil. Des riches, des pauvres, des curés, des laïcs, des lyonnais, des français de partout. Ils demandent comme ça, mais où est-ce qu'elle est donc notre bonne mère Pauline, voir ? Joseph, les maux qui dévorent la société m'apparaissent comme à découvert et quelque chose me presse à chercher les moyens d'y remédier. J'ai un plan, Joseph. Le Seigneur a dit que tout était bon, donc l'or et l'argent sont bons et doivent avoir une bonne destination. Je vais lancer une caisse de prêts gratuits, la Banque du Ciel. Oh, mais cet argent, il pourrait aussi bien servir pour que les ouvriers soient heureux, non ? Oui, Joseph. Il faut permettre aux ouvriers la confiance et la joie. Ballottés sur le marché du travail à la merci d'opérations financières qui leur échappent, les ouvriers n'ont plus confiance dans l'avenir, ni prise sur lui. Oh, une des plaies sociales qui dévore si tant la France, c'est que le monde ouvrier, ils sont tous agglomérés, oh. Je voudrais faire de cette agglomération même un moyen de salut. J'ai encore un autre plan, Joseph. On me propose d'acheter une fonderie à Rustrel, dans le Vaucluse. Voilà 10 ans que je prends conseil partout pour savoir si le bon Dieu me veut dans cette aventure. Mon cher ami le curé d'Ars m'a dit « C'est une bien belle œuvre sur le plan divin. Nul doute que le diable vous en fera payer la facture. » Il m'a envoyé la jeune Maria Dubuis pour me soutenir. Je vais investir dans une usine modèle. C'est sans doute le bon moment. Hé, la Pauline ! Elle accueille chez elle un banquier, Monsieur Ayou, avec toute sa famille, va. Il a fait faillite. Elle lui trouve du travail, hein. Oh, cet homme, il a été très généreux dans la propagation de la foi, oh. Il est très pieux. Et bien sous tout rapport, comme on dit à Lyon. Ce Monsieur Ayou, il lui propose de s'associer avec un de ses amis richissimes, Monsieur Père qui s'appelle. Pour acheter une usine à Rustrel, hein. Ils conduiraient l'affaire tous les deux, sous les conseils de Pauline, va. Pour y faire une usine où que les ouvriers soient heureux, hein. La Pauline, elle a ben envie de faire confiance à ces deux hommes, pour qu'ils soient gestionnaires, va. Un curé lui dit qu'il connaît bien ces messieurs, et qu'ils sont ben convenables, alors... Merci de vos conseils, monsieur l'abbé Ricard, et à bientôt. Alors, c'est sans doute le moment que Dieu a choisi pour que je puisse acquérir cette usine modèle, pour le bonheur des ouvriers et de leurs familles. Voilà enfin le signe que j'attendais du Seigneur. Après le succès éclatant de la propagation de la foi et du rosaire vivant, cette nouvelle œuvre va réussir. Elle ne peut que réussir. Mademoiselle Pauline, je suis tellement heureux de vous connaître. Si vous saviez tout ce que la Sainte Vierge a fait pour moi quand j'étais en prison, je tiens tant à la remercier. Ah, monsieur Père, je vous attendais. C'est admirable comme la Sainte Vierge protège les siens. Je voudrais louer la maison de Nazareth pour y loger la famille Aliou.
Vous avez fait votre part de sacrifice. Je vais maintenant la prendre en charge et placer cette famille sous les bons auspices de la Sainte Vierge. J'en ferai aussi mon pied-à-terre pour être bien proche de vous et de la Sainte Vierge. Comme vous êtes bon. Nous allons faire comme vous proposez. Ainsi, je viendrai communier tous les jours et je pourrai aussi me mettre à votre service. Vous déjeunerez avec nous et je vous tiendrai informé tous les jours de l'avancée de nos affaires. Je vous apporte quelques lettres qui montrent l'importance des bois de la propriété. Et surtout les hauts fourneaux de Rustrel, dont les minerais ont été découverts lors d'une procession à la Vierge. Vous pourrez y créer votre usine modèle et gagner en plus de l'argent pour vos œuvres. Il faudrait moins que cela pour me faire battre le cœur. Le moment est donc venu, Seigneur. Tous les signes le montrent. Je donne toute ma fortune pour l'œuvre des ouvriers. Je demanderai à mes amis riches d'investir avec moi, et nous allons acheter cette usine. Non, mademoiselle Pauline, ce serait plus juste dans votre démarche d'emprunter à de petits épargnants, qui pourraient ainsi gagner gros. Laissez à pair vos emprunts. Il est l'homme de la situation. Voici l'acte à signer pour que vous deveniez propriétaire. Je voudrais bien demander conseil, mais je ne peux plus compter sur ma famille ou mes amis. Et ils sont tous montés au ciel avant moi. Papa et maman sont partis il y a longtemps. Mon cher frère Phileas aussi. Ma grande sœur, chère conseillère, n'est plus. Mes neveux sont trop jeunes pour savoir. Mes amis sont loin de moi depuis quelque temps. Je n'ai plus le temps de les voir, tant je suis accaparée par cette affaire avec vous. Je vous propose de faire venir dès demain des conseillers pour vous rassurer. Des hommes d'importance, dont un greffier du tribunal. Et le père Ricard, une caution ecclésiale sûre. 8 septembre 1845, acte public de la Société de Notre-Dame des Anges. Pas d'inquiétude. Vous seul êtes propriétaire. Vous ne risquez rien. Nous ne pouvons signer qu'avec votre consentement. Et nous signerons ainsi pour la fête de Notre-Dame. Il faudra aussi racheter la faillite d'un certain Balédier pour fonder une société plus grande encore, qui embaucherait encore plus. Mais cet homme n'a pas bonne réputation. Il faut se méfier. Mademoiselle Pauline, n'éveillez point en lui des sentiments de haine et de vengeance que vous lui devez gré, comme chrétienne, d'avoir étouffé. Monsieur Père, de la vengeance à la confiance aveugle, il y a une distance incommensurable. Mademoiselle Pauline, cet homme est victime de son procès. Il y a certes vertu à pardonner, mais peut-être imprudence à confier mes intérêts à cet homme. Vous manquez de confiance envers nous, Pauline. J'en suis fort attristée. Faites-nous confiance, Pauline. Oui, confiance. La Vierge veille sur nos affaires. On nous propose aussi des avocats de Paris pour nous aider. Mademoiselle Pauline, vous savez que je ne veux compter que sur des personnes pieuses, pas sur des Parisiens. Pour rendre à l'ouvrier sa dignité d'homme en l'arrachant à l'esclavage d'un travail sans relâche. Sa dignité de père en lui faisant goûter les douceurs et les charmes de la famille. Sa dignité de chrétien en lui procurant, avec les joies du foyer domestique, les consolations et les espérances de la religion. En un mot, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant et Dieu à l'homme dont il est le bonheur et la fin. Fonder une usine chrétienne où des ouvriers vertueux pourraient jouir des avantages d'un travail réglé avec prudence et rétribué selon la justice. Avec des horaires permettant la vie de famille, en favorisant l'éducation des enfants, sans sortir du milieu familial et professionnel. Chacun expérimentant que dans tout état créé par Dieu, il y a des moyens faciles de salut. Le père de famille verra ses enfants s'éduquer au foyer paternel, sans être privé pour cela d'une éducation convenable à leur avenir.
une coopérative agricole, nourrira hommes et bêtes avec des produits sains et du voisinage. Des artisans vivront de leur travail pour la communauté. On priera ensemble et chacun sera protégé. Je vous invite donc, petits souscripteurs et plus grosses fortunes, à acheter des actions pour l'usine de Rustrel. Vous prendrez part à d'immenses bienfaits sociaux, soutenus par l'Église et en union de prière avec le rosaire vivant et la propagation de la foi. Octobre 1845, de Monsieur Père à Mademoiselle Jaricot. L'usine de Rustrel accueille des ouvriers, les enfants vont à l'école. À la chapelle, on dit la messe tous les jours. Février 1846, de Monsieur Alliou à Mademoiselle Jaricot. Voici le rapport positif des gains de l'usine de Rustrel. 100 000 francs pour le seul mois de janvier. 22 juillet 1846, le tribunal de commerce de Lyon demande la liquidation de l'usine de Rustrel. L'examen des livres des sociétés montre qu'après 6 mois d'activité, l'usine de Rustrel est en perte. Rien n'a été payé pour l'achat des 2 sociétés. Sommation à Mademoiselle Jaricot de payer sous bref délai le prix de l'acquisition faite en son nom, les intérêts courants et les dettes contractées par le mandataire, sans quoi on mettra l'usine en expropriation. Ah! Le terrible réveil. Mon cœur est triste à en mourir. Si cela est possible, Père, épargnez-moi de boire cette coupe. Cependant, faites comme vous le voulez, non comme je le veux. Je suis tombée entre les mains des escrocs les plus habiles qui soient. Je suis comme Job, Seigneur. Je n'ai plus rien que des dettes. Et surtout, j'ai provoqué des dettes chez des petites gens qui m'ont fait confiance. Cette proposition, c'était pour moi comme le regard d'Ève sur la pomme. Ils se sont servis de mon désir de bonheur. J'ai été escroquée. Oh, mais Pauline, vous êtes tellement myope et vous faites si tant confiance aux chrétiens que vous n'avez pas vu le regard hypocrite de ces 2 hommes, va. Je dois faire une demande en nullité de mon affaire que je croyais providentielle. Je dois chasser de chez moi ces escrocs que j'ai recueillis sous mon toit quand ils avaient faim. Voleuse ! Voleuse ! Elle nous doit trop d'argent ! Faut écraser Mademoiselle Jaricot ! Oui 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 ! C'est ça ! Mesdames, messieurs, laissez donc mourir en paix cette pauvre fille et attendez pour marcher sur elle qu'elle soit couchée dans la tombe. Non, il faut que Mademoiselle Jaricot périsse et que tout ce qu'elle a fait soit détruit. Mais pourquoi faire du tort à cette demoiselle qui, j'en suis sûr, n'a jamais voulu que le bien ? Elle nous doit trop d'argent. Cela doit finir. Mademoiselle Jaricot, vous ne dites rien. Est-il vrai que vous êtes la fondatrice de la propagation de la foi et du rosaire vivant ? Oui, je le suis. Est-il vrai que vous avez toujours agi pour le bien ? Vous l'avez dit. N'entendez-vous pas tous les témoignages contre vous ? Quel sujet pouvez-vous avoir à me maudire comme bouc émissaire ? Est-ce à cause de ces œuvres charitables ? On ne fait pas faillite à Lyon, ça ne se fait pas. Une femme se mêler d'industrie ? Allez-vous laisser s'en aller, Mademoiselle Jaricot, ou bien défendrez-vous, messieurs Père et Alliou, emprisonnés, condamnés pour escroquerie par le tribunal de commerce de Lyon ? Il faut libérer messieurs Père et Alliou. Ce sont eux qui sont fait escroquer par Mademoiselle Jaricot. C'est une menteuse, agitée, spéculatrice et peu loyale. Oui, libérons monsieur Père et Alliou. Relâchez-les. Ce sont des victimes. Relâchez-les. Faisons comprendre à Mademoiselle Jaricot son impudence. Elle a été trop loin. Elle laisse trop de dettes. Oui,
Est-ce donc à une femme de s'occuper de la question sociale ? Contentez-vous de votre rosaire et laissez marcher le siècle. Vous ne comprenez pas le progrès. Elle n'était pas rattachée à une congrégation. Elle est restée trop libre d'elle-même, sans obéissance, sans cadre ecclésiastique. Elle a été victime de son orgueil, de sa cupidité, de sa naïveté, de son ignorance. Il faut que tout ce qu'elle a fait soit détruit. C'est une fourmi. Il faut l'écraser. Elle a fait trop de folie. Bien que le démon aille d'un bout à l'autre de la France, répétant tous ses trésors de mensonges et de malices, je suis encore dans la barque, si furieusement battue par la tempête, mais non encore submergée. Mon amie Alexandrine Dédé s'associe avec moi. Elle m'a versé une somme importante pour reprendre l'activité de l'usine, dont tous les experts disent qu'elle est plus que rentable si elle est gérée par des hommes honnêtes et compétents. Oh, tout ça c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein? Mais ses amis la soutiennent toujours. Léon Dupont, le comte de Falou, et le docteur Récamier aussi. Le papy neuf écrit à la propagation de la foi de l'aider, tu vois. Oh, et puis il y a aussi John Henry Newman. L'entreprise de Mademoiselle Jaricot est au-dessus de tout éloge et mérite l'aide de tous les catholiques de la terre. Et l'archevêque de Dublin. Les catholiques de l'Église d'Irlande mendieront pour l'œuvre des ouvriers, comme ils ont pris l'habitude de mendier pour la propagation de la foi. Et puis, le futur Saint Julien est mort. Je vends un champ pour l'œuvre des ouvriers. Il y a sœur Sophie Boran, fondatrice des œuvres du Sacré-Cœur de la rue Boissac, à Lyon. Vous avez tant donné pour les autres. Et puis la propagation de la foi dont le Seigneur vous a fait l'instrument. Je vous soutiens, ma sœur. Et il y a son cher curé d'Ars, hein ? Oh, mes frères, je connais quelqu'un qui porte beaucoup de croix et de très lourdes, et qui les porte avec un grand amour. 15 janvier 1847. Conclusion de l'enquête du tribunal de commerce. L'usine de Rustrel n'a jamais été payée. Les autres achats postérieurs non plus. On ne sait pas où sont les capitaux. Ils ont fondu. Nous, la commission de Fourvière, nous avons repéré votre manège. Sous couvert d'une œuvre, vous vouliez vous enrichir dans une entreprise industrielle. Je prends l'engagement sur l'honneur de rembourser intégralement mes amis. Je sais que je n'y suis pas tenue juridiquement, mais je suis bien convaincue qu'ils l'ont fait sur ma bonne foi et que c'est par ma faute qu'ils ont été trompés. Ainsi, je pourvois à toutes les exigences de l'honneur et du droit. Vous bafouez notre fondation de la propagation de la foi. Vous faites croire que vous êtes la fondatrice de la propagation de la foi. Les croix les plus douloureuses et qui étonne un peu notre faiblesse, sont celles qu'avec de bonnes intentions nous taillent les amis de Dieu. Il faut encore les aimer. Nous, Père et Aliou, nous avons beaucoup investi dans cette usine. Nous sommes victimes de votre mauvaise gestion. Remboursez-nous les dommages et intérêts. Je suis la principale actionnaire d'une entreprise qui a été gérée par vous. Indépendamment de moi, par souci de discrétion de ma part et pour laisser faire des hommes que je croyais plus compétents que moi. Ah, il faut être bien naïf pour se laisser abuser comme cela. C'est bien de votre faute. Il n'est même pas venu à ma pensée que de telles choses soient possibles. J'ai cru être bien conseillée. Monseigneur l'archevêque s'est laissé aussi surprendre par la fascination de l'intelligence perverse de mes détracteurs et leur incroyable hypocrisie. Si bien que celui-ci se demande si c'est moi qui suis trompée ou si ce sont eux qui sont mes victimes. Ma bonne amie, je dois récupérer mon bien. Vous me le devez, certes. Je vous avais proposé de m'associer, mais mon avocat a perdu le contrat. Permettez que je ne croie pas que tout est perdu. Si je vous ai, Seigneur,
Je n'ai rien perdu. Je vais donc remettre en route les hauts fourneaux. Les ouvriers seront heureux et je pourrai rembourser mes dettes. Vous avez tellement aidé la Mandchourie depuis vos premiers envois des sous récoltés avec vos ouvriers. Avec quel sentiment de gratitude nous voulons vous aider au jour de votre détresse causée par votre charité. Voici la modeste obole de mon diocèse pour aider l'œuvre des ouvriers. Nous tous, associés du Rosaire Vivant, nous sommes présents à vos côtés. Oh, Pauline, elle a des amis riches de partout qui veulent l'aider, hein? Mais v'là t'y pas que la révolution de 48, oh, elle va ruiner tous ses espoirs. Ses amis s'exilent, ils ont plus un radis, hein, dites-donc. Oh, l'usine, elle est vendue une bouchée de pain. Père et Ayou continuent de monter les créanciers contre Pauline, hein. Oh, elle se désempote de ville en ville pour trouver des pécuniaux et rembourser ses petits créanciers, hein. Oh, son Jésus, il lui apprend à chapeau à vivre comme une pauvresse, va. Ça qui forme le fond des mystères de sa vie, hein. Elle devient un peu comme nous, paroissien des chemins, quoi. Bon, pendant 10 ans, oh, il y a beaucoup de bourgeois qui l'ont soutenue. Oh, le cardinal Lambroschini, et puis mère Saint-Laurent, sœur Rosalie Rendue de la société Saint-Vincent de Paul, et Frédéric Ozanam. Et puis les Visitandines, et puis les Brémond de Hars. Que du beau monde, dis donc. Ben, grâce à eux, elle a tâché moyen de rembourser ses dettes, et puis voilà. Moi, Monseigneur de Villancourt, j'étais du Conseil le 3 mai 1822 lors de la fondation de l'Association de la Propagation de la Foi. Je sais bien comment les choses se sont passées. Pauline, je vous demande de vaincre votre timidité et de dire haut et fort que vous êtes la fondatrice de la Propagation de la Foi. Oh oui, j'ai été l'allumette pour allumer le feu qu'elle dit tout le temps, hein. Oh, ces messieurs de la commission de Fourvière, ils lui font que des embiernes, va. Nous voulons acheter votre maison de Lorette, mais votre prix est beaucoup trop élevé pour une œuvre d'église comme la nôtre. Nous n'avons pas l'argent pour le faire. Nous vous en proposons un prix plus raisonnable. C'est à prendre ou à laisser. Oh, mais ce n'était pas le prix juste. Le prix était trop bas, oh. Elle lui aurait vendu tout de suite s'ils y avaient acheté le prix juste, hein. Pourtant, un sou, c'est un sou. Ils savent bien, les bourgeois. Les pauvres gens ne vous accablent pas, eux. Ils pleurent avec vous. Oh, malheureusement, ceux de la propagation de la foi, ils sont de cheville avec Fourvière, va. Ils y mentent comme ils y respirent, alors. Nous, Association de la Propagation de la Foi, nous prions instamment quiconque entendra une demande pour la cause de Mademoiselle Jaricot de ne pas s'occuper de cette affaire. Celle-ci a des parents riches qui s'occupent d'elle. D'ailleurs, si Mademoiselle Jaricot entendait qu'on veut l'aider, elle ne le voudrait point. Et d'autre part, cette souscription pourrait tomber aux mains des intrigants et non remise à ses créanciers. Donc, il faut s'abstenir de l'aider. Ô ma mère, le bruit effrayant de votre cœur déchiré résonne si fort. Reposez-vous sur le mien. Oh, elle a encore une idée d'ingénie, ma Pauline, hein. Elle ouvre un chemin de péage pour que les visiteurs y montent plus vite à Fourvière, tu vois, en passant par chez elle. Oh, comme ça allait. En 10 ans, elle aurait fini de payer ses dettes, hein. Oh, ça c'est beau. Oh, mais tiens-toi bien, va. Les beaux messieurs et les curés de Fourvière. La commission, quoi, oh. Ils font un pont par-dessus sa propriété et ils y démolissent son mur, tu te rends compte? Bah, et elle a laissé faire? Bah, les malhonnêtes, ils y font dès qu'elle est partie près du pape à Rome, va. Et pourtant, elle les aimait, les gens qui lui faisaient cette guerre. Et puis c'était comme ses frères, va. C'était ses amis à elle qui lui piquaient son chemin dans son dos. Oh, c'est pas très catholique, ça. Bon, quand on voit ça, on croit que le démon, il existe bien, va.
Ouais, mais quand je vois la Pauline, que pardonne à cette vermine, ben je me dis que le bon Dieu, il existe ben aussi. Oh, elle a fini comme lui, au rebut. Aux indigents, la Pauline, va. Jamais je ne vous laisserai seule, ma mère. Pleurez autant que vous en avez besoin. De Monseigneur de Villancourt à Mademoiselle Pauline Jaricot. Même le pape, qui a tant d'affection pour vous, Pauline, ne prend plus autorité dans cette affaire. Il a échoué. Il ne veut pas se compromettre avec son illustre collègue lyonnais, Monseigneur de Bonald. Ma bonne amie, vous êtes comme toujours la bienvenue à Ars. Dieu vous rendra un jour tout ce que vous avez essayé pour lui. Prenez cette croix, elle sera votre devise. Dieu seul pour témoin, Christ pour modèle, Marie pour soutien, et puis rien, rien qu'amour et sacrifice. D'être restée avec moi. Que ferais-je sans vous? Le mystère qui enveloppe celui de mes affaires et celui de la croix. Ceux qui me contrarient, Seigneur, croient bien faire. Et ainsi, ils ne vous offensent pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange continuellement dans ma bouche. Peu m'importe que vous m'ôtiez les biens terrestres, la réputation, l'honneur, la santé et la vie. Si je trouve dans cet abîme le feu caché de votre amour, mille fois heureuse serais-je si je peux dire en mourant pour vous et pour mes frères. Je leur pardonne tout. Mon Dieu, comblez-les de bénédictions. Maria, brûlez toutes les lettres d'insulte. Maria, brûlez aussi les lettres de tous les dignitaires qui pourraient laisser croire que la pauvre petite fourmi a quelque mérite. Maria, une dernière chose. Faites tout ce que vous pourrez afin de payer ce qui reste dû à nos amis pauvres. Mère, oh ma mère, oh oui, je suis tout à vous. Paradis, que tu es beau. Oh, lumière sans fin, bonheur sans ombre, que l'on est heureux d'appartenir à Jésus-Christ, que l'union des cœurs est belle. Oh, le 9 janvier 1862, à 7 heures, elle est morte, hein. On l'a emmenée à l'Oyas, bon. J'ai suivi le corbillard comme un chien battu, oh. Eh ben, si j'avais su tout ça plus tôt, je l'aurais pas insultée à chaque fois qu'elle passait là, Pauline. J'en suis ben mari. Oh, t'inquiète, va. Tu lui as pas encore demandé pardon? Qu'elle t'a déjà pardonné, alors? Quand même. Elle en avait des argents à regonf, et puis elle a fini pauvre comme Job, pour avoir voulu faire du bien. Oh, pour le rosaire vivant,
Ils étaient 2 millions d'associés quand elle est morte, la Pauline, hein. Mais pour l'usine, bon, c'est toujours à l'endroit qu'on est le plus sensible que la vie vous alpague, hein. À Lyon, c'est péché d'avoir des dettes, alors. Et pourtant, la fenote, oh, elle s'est démenée tant qu'elle a pu, oh. Parfois, je me dis que si son usine, elle n'a pas fonctionné, hein, c'est peut-être bien que c'est une utopie de vouloir construire le royaume de Dieu sur terre, non? Faut peut-être juste chercher à faire monter les hommes vers Dieu, plutôt que de s'acharner à faire descendre le paradis, non? Et puis, elle avait promis à son Jésus de l'aider à réparer le monde en portant la croix avec lui, hein? Eh ben, c'est qu'il l'a prise au mot, sa Pauline. Et puis elle l'a jamais lâché, son Jésus, oh! On saura qu'au ciel tout le bien qu'elle a fait sur terre, hein? Oh, tu verras qu'un jour la mère Église, elle en fera ben une sainte, oh! Elle sera la sainte protectrice des gones qui ont été abusés par des escrocs ou des pervers, hein? Des grelus qui ont fait faillite, oh! Des pèlerins abandonnés des hommes, victimes du monde, désemparés devant l'Église aussi. Elle sera la protectrice des missionnaires et des laïcs engagés dans la société au service de l'Église, va. Et après, il va se passer quoi? Après, ben elle va manager tout ça du ciel. Ça sera bien plus simple, non? Tante Pauline, soyez bien en paix. Moi, Ernest, votre neveu, j'ai payé le restant de vos dettes comme vous le demandiez. Bonjour Pauline, c'est Méline. Merci pour ma guérison et le baptême de mon père. Avec toi, on ne lâche rien. On persévère même dans les pires difficultés et les injustices. Merci Pauline Jaricot pour la sainte enfance, particulièrement au Mali. Tu es plus connue au Mali qu'en France. Merci Pauline Jaricot pour nous aider et nous soutenir les missions d'Amazonie. Merci Pauline Jaricot. Grâce à vous, le Burkina Faso a reçu la très bonne nouvelle. Nous vous remercions infiniment. Le pays des hommes intègres est fier de vous. Merci, merci. Merci Pauline Jaricot pour le chapelet vivant que nous avons appris à Ouagadougou. Merci Pauline Jaricot. À l'orphelinat de Lumbila, j'ai bénéficié de dons de la propagation de la foi. Merci Pauline Jaricot pour les ressources vivants au Kenya. Merci beaucoup Pauline Jaricot pour les services rendus à mon pays dans le Pacifique Sud. Merci Pauline pour le rose vivant. Terimakase Pauline. Merci Pauline Jaricot pour le rose vivant au Togo. Merci Pauline Jaricot pour la propagation de la foi Jaricot dans les îles les plus reculées, Wallis et Futuna. Cảm ơn Pauline vì cái sự lần chuỗi sống đồng tại đất nước Việt Nam chúng tôi. Wallis et Futuna. Merci Pauline. Grâce à vous, la colline de Fourvière est devenue la colline qui prie, qui soigne et qui enseigne. Les filles de Claudine Thévenet, les Lazaristes, les religieuses de Saint-François-Régis, le refuge Sainte-Élisabeth, les Jésuites, la Maison de Lorette, les Maristes, la congrégation du Verbe incarné, les Carmélites, les Dames du Calvaire de Jeanne Garnier, précurseurs des soins palliatifs. Merci Pauline d'avoir été précurseur de l'action catholique et de la doctrine sociale de l'Église. Upa tanana wanareu kupa tanana araha pana
manak siat falala pumban mangtane yara baina batume akura kangare ubangara se manak siat falala pumban mangtane yara baina batume tunga sua kangare tunga sua ngartane suba vita lalangabe nanakure numa tunga sua kangare tunga sua ngartane suba vita lalangabe nanakure numa Shua shua sa mangai hangai tu shalama shua fangareo manawaku Shua shua sa mangai shua shua sa mangai hangai tu shalama shua fangareo manawaku Andre mangi sahi sahi andre mangi sahi sahi wasige tonduani tapakuri etu shau Andre mangi sahi sahi andre mangi sahi sahi wasige tonduani tapakuri etu shau Inga nesa ishe ngai ushalama fata